Après, ta famille, tu as détruit la... Quel jour? Tu détruis les gens? Après, ma famille, j'ai détruit la vie de 100 personnes dehors, en couchant avec eux. On est toi, tu aimes ça, hein? Couchez. Ça fait quoi et quoi? J'opère aussi avec la sirène des eaux. Avec elle, je suis prostituée. Et j'ai un serpent dans mon sexe. Lorsque je couche avec les gens, il est 16 femmes de jeu, puis me veulent lui donner pour faire des bijoux avec. J'ai dit, il y a un serpent dans mon sexe. Lorsque je couche avec les gens, le serpent sort et puis prend ce sperme là. Il me nourrit avec, ça me donne de la force. Et puis il donne aussi à la sœur. Il boit ça. Oui, papa. Il boit ça. Oui, papa. C'est-à-dire que les gens couchent avec toi, le serpent boit ce sperme. Comme les cailloux ou bien. Comment ça se passe? Ça, c'est des choses à savoir. Hein? Avec la sirène des eaux, quand je veux sortir. Non. Le serpent, comment il prend ça? Pendant que je couche avec un homme, il sort sa tête. Et puis quand l'homme éjacule, ça n'est pas dans mon ventre, c'est lui qui prend. Lui, il est placé où? Dedans. Oui, papa. Ah. Mais comment tu arrives à prendre les gens? Comment les gens viennent vers toi? Papa, c'est pas mon regard. Comment tu fais? Quand je veux qu'une personne vienne vers moi, je le fixe. Et puis, je dis... Comment? Je le regarde droit dans les yeux, puis je l'introduis une lumière. Ça l'immobilise et puis je dis dans sa tête que désormais, tu vas venir vers moi, tu vas me draguer. Donc, et puis le monsieur vient vers toi. Papa. Quand il vient, tu dis pas non. Non, papa. Ça, c'est dangereux. Vous avez compris, hein? Toi qui écoutes là, tes yeux brillent comme la padelle. Vous avez compris aujourd'hui la cité, le monde est devenu dangereux. Vous avez compris déjà que souvent derrière les séductions, il y a un pouvoir mystique. Elle est claire là-dessus, elle a été précise. Elle a dit, elle regarde son mari et puis elle t'introduit une pensée de pouvoir la draguer. Quand tu viens vers elle, elle a un seul objectif, c'est pas lui faire l'amour. Quand tu éjacules en elle, le serpent, un serpent qui boit le sperme et puis bon, ça te détruit. Et c'est pour ça que nous combattons la sorcellerie. Vous voyez que souvent quand on fait des aveux, c'est instructif. Pour vous dire, au-delà d'elle, il y en a beaucoup comme ça dans la cité, il n'y a pas qu'elle. Nous aujourd'hui, ce n'est pas elle seulement ses aveux. Beaucoup des aveux comme ça dedans. Donc, pour dire, le monde dans lequel nous sommes, il faut avoir le discernement, le fantasme. Que Dieu nous aide. Amen.